Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Première pour notre rendez-vous. Cette année encore, l'environnement est un thème que nous traiterons assez souvent dans notre émission. Et cette semaine, nous parlerons de la gestion des déchets, dont le tri sélectif effectué sur des pôles identifiés, comme celui que nous avons derrière nous à Vaitupu, dans le nord de Wallis. Dans quelques instants, nous verrons comment cette gestion s'opère sur notre île avec le service de l'environnement. Et tout d'abord, voici un reportage sur la sensibilisation auprès des établissements scolaires concernant les différentes formes de pollution sur l'environnement et comment donc la protéger. C'est une action qui a commencé l'année dernière à l'école de Likou, au centre de Wallis. On se retrouve tout de suite après. Le gant n'est pas de velours, mais c'est une main de fer qui dit non à la pollution. L'école de Likou fait de l'environnement un des sujets phares de cette année scolaire. Aujourd'hui, le cours se fera à l'extérieur. Les enfants troquent leurs cartables pour des sacs poubelles. Des canettes et des bouteilles en plastique jusqu'au tout petit mégot de cigarettes, le nettoyage sera total. Et pour que le message passe plus facilement, les enseignantes de l'établissement ont misé sur la participation des parents. C'est très bien de ramasser tous les déchets qui polluent tout le long, les déchets jetés par les voitures ou par les bateaux. Donc c'est une bonne chose d'apprendre aux tout petits, de ne pas jeter n'importe où, mais de jeter dans une poubelle et non pas à la mer qui pourrait éventuellement éliminer un certain nombre de tortues qui mangeraient les plastiques et qui s'étoufferaient avec, ou de poissons. C'est une très très bonne idée. Vous pensez que le message est compris à cet âge-là? Peut-être pas pour les tout petits, mais pour les grands, ils ont tous avec des gants, donc ils ont compris l'intérêt de la pollution. Et puis, avec la chanson qui ont été faite aussi, la chanson d'Antoine et tout ça, ils ont fait de beaux dessins. Donc c'est une petite graine qu'on met et qui sera perfectionnée plus tard, mais c'est un bon début déjà. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de bavés dans les lagons, touchez pas. Le projet est né sur les bancs de l'école avec des enseignantes qui prennent chaque jour la mesure du phénomène pollution à Wallis. Alors elles mettent tout en œuvre pour que chaque enfant comprenne et mettre régulièrement ses acquis en pratique. L'initiative vient du fait que les enfants sont sortis découvrir le platier vers Akaka. Et donc, le parent d'élève professionnel qui nous a tourné des petits films pour ça, ben, a bien fait son travail pour sensibiliser et les enseignants et les parents d'élèves du fait que l'environnement marin, là où les animaux marins, surtout les coquillages, les poissons, puisent leur nourriture, c'est vraiment déplorable. C'est trop sale et on les a orientés à faire ça parce que nous savons qu'à cet âge-là, les enfants sont vraiment motivés et qu'ils emmènent leurs parents, ils sensibilisent et motivent aussi leurs parents. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et puis je sais qu'on commence ça, on initie les enfants à ça, mais dans les cycles 2 et 3, il y a la suite qui se fera. Le butin de la journée ne sera pas directement envoyé au CET de Vailepo. Il repassera par la case école pour un tri plus minutieux en classe. Histoire de dire aux futurs écolos que même si le tri ne se fait pas encore sur l'île, rien ne nous empêche de commencer à prendre de bonnes habitudes pour éviter que la protection de l'environnement ne devienne un jour, pour les générations à venir, un lourd fardeau à tirer. Nous sommes au centre d'enfouissement technique de Vailepo où sont stockés tous les déchets de Wallis. Avec nous, Falakikata Ofenua, adjointe au chef du service de l'environnement, également responsable du CET. Fala, et bonjour. Bonjour à la Fala. Alors nous nous trouvons sur la plateforme de tri du CET. Exactement. Alors est-ce qu'on peut demander aujourd'hui à la population d'effectuer un tri, et est-ce que ce tri dans les foyers sera respecté jusqu'ici? En fait, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des points de tri dans des villages qui ont été choisis, donc à Malafouou, Vaitupu, Alele, et puis Akaka. Mm-hmm. Et donc, ce tri-là concerne tout ce qui est aluminium, verre et plastique. Donc, on peut demander à chaque foyer de faire ce tri-là et puis apporter au point de tri dans ces villages-là.
Après le tri, en fait, les agents du CET vont ramasser ce tri-là dans ces points de tri et ils amènent ça sur cette plateforme tout en respectant l'aluminium, le verre et le plastique. Et après ce tri, est-ce qu'il y a un traitement effectué sur ces déchets-là ? Pour le moment, en fait, tous ces déchets-là, tous ces déchets triés sont en attente de traitement. Nous avons un projet pour le traitement des canettes. On attend un compacteur qui va bientôt arriver dans les prochains mois pour justement compacter les canettes et pouvoir les exporter. Au niveau de la gestion des déchets sur le territoire Falaï, est-ce qu'à ce jour vous pouvez quantifier le nombre de déchets Pour tout ce qui est déchets, les déchets qui sont triés, on peut quantifier parce qu'on a des points de tri dans des villages qui ont été choisis. Et ce nombre-là, ces déchets-là peuvent être quantifiables. Mais sinon, tout ce qui est ordures ménagères, pour l'instant, il est difficile de quantifier ces déchets-là. Il y a une augmentation des déchets malgré la diminution de la population. Donc cela est dû sûrement à une surconsommation des habitants de Wallis. Notamment les déchets électroniques. Les déchets électroniques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marchandises importées, de produits importés. Vous stockez également ici au CET les déchets lourds comme les usagers. À ce jour, est-ce que ces déchets-là sont traités ou peuvent être traités Pour l'instant, ces déchets-là, ces déchets dangereux dans les huiles usagées et puis les batteries sont pour le moment stockés en attente de traitement. Avec le projet Intègre, il va y avoir un traitement, c'est-à-dire que ces déchets-là pourront être exportés. Mais pour le moment, on essaie de voir comment ça va être la procédure pour l'exportation. Mais il n'y a pas un risque parce que ça s'accumule quand même depuis pas mal d'années Nous essayons de gérer au mieux ces déchets-là, le stockage, et puis essayer d'éviter que les déchets soient déversés sur le sol. Et comment vous les gérez justement, CET ? Pour le moment, on essaie de mettre dans des cubis que vous verrez. Ces cubis-là permettent de bien stocker les huiles, qu'il n'y ait pas de déversement sur le sol. Et puis dans des fûts également, et aussi mettre une bâche par-dessus pour éviter qu'avec la pluie, ça coule vers l'extérieur. Cette semaine, vous avez fait passer un communiqué à travers la radio de Wallis et Futuna Première concernant les horaires du CET. Exactement, on a lancé un communiqué pour le changement des horaires d'ouverture du CET et de fermeture également. Donc le CET tous les jours sera ouvert le matin à partir de 7h30 jusqu'en fin d'après-midi, jusqu'à 17h30. Vous l'avez signalé également dans ce communiqué, parce que pas mal de personnes aussi jettent leurs poubelles un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et quand ils voient que le portail est fermé, ils déversent devant le portail. Et donc, on demande à tout le monde de ne pas déverser, mais de faire marche arrière et de revenir pendant les horaires d'ouverture. Et on a aussi demandé aux gens de ne pas déverser au bord de la route, au niveau du bord de la route, qui mène jusqu'au CET. Là, nous projetons de faire une collecte des batteries et des piles usagées, des particuliers, pour justement ne pas laisser à l'abandon dans la nature. On voudrait que tout soit ramassé et stocké ici, au centre de Wailepo. Ça va être une collecte dans les villages, par district, et nos agents iront, par exemple, pour le
Il va y avoir une collecte là ce vendredi qui va arriver pour les districts de Hahake et de Hirifo. Et le prochain vendredi, le 29 mai, ce sera la collecte dans les villages du district de Moi. Et qu'est-ce que les particuliers doivent faire, ceux qui ont des batteries, des piles ? Les particuliers doivent déposer les piles et puis les batteries usagées devant le Falefono. Et nos agents vont passer pour ramasser ces déchets-là. Voilà, et merci beaucoup de nous avoir apporté tous ces détails concernant le travail qui est effectué ici au CET. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec Tui Mataoutou, chef du village de Mataoutou, et nous nous trouvons au Mont Loulou, un endroit très fréquenté, surtout par les marcheurs. Malheureusement, à chaque fois, ils découvrent ce décor derrière nous parce que certaines personnes de Wallis se servent de cet endroit comme poubelle. Nous en parlons donc ce matin avec Tui Mataoutou. Tui Mataoutou, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous nous trouvons actuellement à Loulou, un endroit situé dans votre village et dont vous avez donc la responsabilité notamment de l'entretien. Mais cela fait maintenant quelque temps que vous avez constaté ces dépotoirs sauvages. Effectivement, j'étais déjà intervenu dans l'un de vos reportages en avril. Un mois après, le volume de déchets déversés à cet endroit a encore augmenté. Et il semble que ces déchets derrière nous ont récemment été déchargés ici. Je pense que certaines personnes n'aiment pas qu'on leur répète certaines choses. Mais ce genre de comportement ne correspond pas à notre vie en société. C'est notre devoir de responsable de faire comprendre à la population les décisions qui vont avec le bien-être de tous. C'est pourquoi je vous prie de vous rendre à Vailepo pour y jeter vos poubelles. Le CET se trouve à quelques mètres seulement d'ici. Veuillez respecter les sites comme celui-ci qui sont fréquentés par tout le monde. Ne nous étonnons pas si nos enfants tombent malades. Aujourd'hui, nous attrapons certains microbes parce que nous ne faisons plus attention à ce que nous faisons. Je réitère donc cette demande à tous. J'estime que c'est assez. Arrêtons de jeter n'importe où nos déchets. Est-ce que du côté de la chefferie, des sanctions sont prévues pour ce genre d'acte ? Toute la chefferie de Mou'a, Hahake et Hihifo a toujours été sensible au nettoyage dans les villages, à la propreté et à la préservation de l'environnement. Mais nous ne souhaitons pas aller plus loin jusqu'à imposer des sanctions. Toute personne sensée sait et est consciente des comportements dignes qu'il faut faire. Nous avions l'habitude de voir dans les villages le ramassage de canettes ou de déchets. Cela faisait partie des travaux de la communauté. Ces dernières années, on a l'impression que cela se fait de moins en moins. Je vous rassure, le ramassage de déchets se fait encore aujourd'hui dans chaque village. Seulement, cela ne se fait plus aussi régulièrement qu'avant. Nous avions aussi l'habitude de faire participer les élèves des écoles primaires. Presque tous les villages ont une association qui veille à ces activités et toutes tentent aujourd'hui de rejoindre la Fédération de l'environnement. Aujourd'hui, ce nettoyage dans la plupart des villages est effectué par une poignée de villageois désignés pour cela. Au niveau de la fédération, nous avons récemment renouvelé le bureau avec un nouveau président, Petelo Taufana. Ça se met petit à petit en place, mais nous avons établi les priorités sur lesquelles nous devons commencer à travailler.
Le renforcement du littoral en replantant la mangrove, par exemple, ou la multiplication de certaines espèces de plantes, ainsi que le ramassage des déchets sauvages. C'est dans ces objectifs que la Fédération veut sensibiliser le travail en commun avec toutes les associations de villages, notamment pour la préservation et la propreté des sites importants comme le lac Lalolalo ou bien encore le quai de Mataoutou. Ce sont toutes ces idées-là que la Fédération défend et surtout une réflexion sur l'eau, car nous devons craindre notre nappe phréatique. Tous les déchets que nous jetons n'importe où dans la nature sont dangereux pour la nappe phréatique. Quand il pleut, l'eau qui tombe notamment sur toutes ces conneries s'infiltre dans la terre et peut atteindre la nappe. Ce n'est peut-être pas nous qui sommes en danger, mais ça le sera pour les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants. Je tiens à m'investir dans le travail de la Fédération. La crainte, ma crainte, se résume à ceci. Quel avenir réservons-nous à nos enfants? C'est eux qui connaîtront dans le futur les retombées de notre inconscience aujourd'hui. Nos générations, lorsque nous avons grandi, nous étions heureux dans notre île et fiers de ce que nos parents, grands-parents nous ont laissé. Une île belle et propre. Mais le temps passe et avec lui, l'évolution, une société de consommation avec de nouveaux produits. Nous n'avons pas été suffisamment préparés à la manière de les consommer ni de les traiter après usage. C'est ce qui nous conduit à des comportements comme celui-ci. Mais nous sommes, je pense, tous assez intelligents pour savoir que ces déchets sont dangereux pour notre santé et pour notre environnement. Est-ce un combat évident? Malheureusement non, parce que nous ne sommes pas tous dans le même camp. Nous aurons beau avoir toutes les bonnes raisons du monde, il y aura toujours certains qui ne seront pas d'accord ou qui essaieront de se convaincre que tout cela n'a aucun intérêt pour eux. Moi, je demande au chef coutumier, malgré toutes ces peines et difficultés dans la gestion de la vie coutumière actuellement, malgré les réticences de certains habitants, ne nous décourageons pas. Faisons preuve de persévérance pour le bien de tous. Nous vous souhaitons, Tumataoutou, beaucoup de courage dans les actions que vous menez et que vos objectifs aboutissent. Merci infiniment d'avoir été notre invité. L'année dernière, nous l'avions rencontré pour la présentation et le lancement du projet Intègre, initiative territoriale pour la gestion de l'environnement, gestion régionale. Nous retrouverons donc cette année Julie Petit, coordinatrice de ce projet. Julie, bonjour. Bonjour. Alors un an après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la gestion des déchets qui compose un volet important de ce projet Intègre? Effectivement, dans le cadre du projet Intègre, on a différentes thématiques et la gestion des déchets est une thématique importante à la fois pour Wallis et pour Futuna. Donc on a des projets qui concernent les deux îles, Wallis et Futuna, et des projets propres à la fois à Wallis et à Futuna. Donc pour Wallis et Futuna, on avait vu dans le cadre d'Intègre qu'on avait un stock historique d'huile et de batteries ici au CET de Wallis, qu'il était important de pouvoir évacuer du territoire. Donc on a réalisé au CET avec l'équipe du service de l'environnement les pré-analyses des différents d'huile qu'on avait dans les fûts. Et maintenant, on est sur la rédaction et l'appel d'offres pour avoir des prestataires qui vont nous permettre d'exporter hors du territoire les huiles et les batteries. D'autres projets, à la fois sur Wallis, c'est un projet de casier d'enfouissement, puisqu'on avait vu l'année dernière, on avait parlé que le casier, effectivement, ici, était saturé. Donc c'est un projet de réaliser un nouveau casier. Donc il a été validé dans le cadre d'Intègre des échanges, puisqu'il y a ce type de casier qui a été fabriqué à Fidji, qui s'appelle le casier selon la méthode Fukuoka.
donc a été réalisé à Fidji. Et donc là, il y a une équipe du service de l'environnement qui va partir à Fidji cette année pour aller voir comment est fabriqué ce type de casier et pour pouvoir réaliser le même casier ici. En parallèle, pour appuyer le CET, on a aussi commandé différents types de matériel pour venir aider les agents du CET à réaliser les différentes tâches qui réalisent ici au CET. Donc on a un compacteur de canettes et de plastique qui arrive au mois de juin, ici sur Wallis, et qui va pouvoir appuyer aussi le fait qu'on va mettre en place des unités de tri sur Wallis. Et puis sur Futuna, également des projets sur la gestion des déchets avec le CET et la fermeture de la décharge de Nanou. Donc ça, c'était vraiment une demande des habitants de Futuna et de la chefferie. Voilà. Et donc là, c'est de fermer cette décharge avec en mettant des caissons de transfert. Donc les caissons ont été commandés, ils arrivent au mois d'août, ils arrivent directement sur Futuna. Et donc j'ai rencontré la semaine dernière à Futuna les collèges pour venir appuyer justement cette fermeture à travers différents types de projets de sensibilisation. De la même manière que pour le CET de Wallis, au CET de Futuna seront équipés de... on va commander un tracteur à chenilles pour pouvoir tasser les déchets au CET de Futuna une fois que la route d'accès sera finalisée. Donc ça avance petit à petit. Ça avance petit à petit, mais ça avance. Mm-hmm. La sensibilisation accompagne tous ces projets-là. Comment vous allez faire cette année ? Alors cette année, effectivement, sur tous les gros projets, on a essayé d'axer d'autres projets qui viennent appuyer. Et c'est des projets de sensibilisation, à la fois avec le lycée d'État, où on a trois grands projets de sensibilisation. Un projet de réalisation de spot télé sur la gestion des déchets, un projet de fabrication de poubelles d'unités de tri fabriquées par les élèves du lycée d'État. Et des projets aussi avec les collèges, puisque là on a rencontré le collège de TSI qui va travailler sur les affiches sur la sensibilisation des déchets. Et puis là, dernièrement, avec le lycée agricole, où on aide les élèves du lycée agricole à monter des projets pédagogiques qui vont aller porter dans l'école de TEPA. Donc c'est surtout un travail avec les établissements scolaires ? Surtout un travail avec les établissements scolaires. Après, on travaille aussi en collaboration avec les associations. Enfin, on essaye vraiment de sensibiliser. La semaine dernière à Futuna, j'ai rencontré l'association des jeunes de Tawa, qui vont venir aussi, s'ils le souhaitent, apporter leur aide sur des projets de sensibilisation sur Futuna. Alors parmi les solutions qui commencent à être mises en place, l'année dernière avec les stagiaires que vous aviez accueillis en provenance de Limoges, il y a eu la mise en place d'un compost. Où en êtes-vous avec système de compostage ? Tout à fait, et ça c'est un projet à la fois pour Wallis et Futuna, puisqu'il y a la mise en place d'un réseau de fermes bio. Donc ce réseau pour Wallis, ça sera basé au lycée agricole. Le lycée agricole sera la plateforme démonstrative où justement on va travailler sur différents types de compost, mais on travaille aussi avec les agriculteurs, où les agriculteurs vont tester différents types de compost. On a des missions qui sont venues, des gens spécialistes de la fertilité de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie. On a une mission maladies ravageurs qui est venue aussi pour voir un petit peu quel type de maladies on pouvait trouver ici à Wallis. Et puis on a une mission qui est programmée là dans les prochains mois sur semences et plants, sur voilà, quel type de semences et plants on pourrait utiliser. Voilà. Cette année, Julie, sur la sensibilisation, vous allez être assistée de Noël, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc Noël est arrivée tout récemment sur Wallis. Elle est de l'école d'ingénieurs de l'INSIL de Limoges, dans le cadre de l'échange entre Wallis et Limoges. Et elle va venir appuyer tous les projets de sensibilisation dans le cadre d'Intègre. Donc effectivement, depuis ça fait juste quelques semaines qu'elle est avec nous. Et donc elle a déjà pu voir les élèves du lycée agricole pour justement les aider à monter leur projet pédagogique sur la gestion des déchets. Mais elle viendra aussi en appui sur les projets du lycée et sur les projets des collèges. Et en un an, Julie, comment répond la population ou les autorités que vous avez pu rencontrer sur tous ces projets concernant la gestion des déchets ? Oh bah, que ce soit au niveau des autorités et de la population, je pense que le projet est bien perçu et que de toute façon il répond encore une fois à des problématiques qui ont été identifiées par le territoire. Donc c'est vraiment le territoire qui a identifié les priorités.
Et cette année, Julie, quels sont les grands événements, ou cette année ou l'année prochaine, hein, à venir pour Intègre? Alors, dans le cadre d'Intègre, à la fin du mois de mai, il y a le comité de pilotage, donc de l'ensemble des quatre territoires qui travaillent avec le projet Intègre, et les différents représentants de l'Union européenne, de la CPS. Et donc, ce comité a pour but de, justement, mettre en avant l'état d'avancement des différents projets sur les territoires. Aussi, dans le cadre de la gestion des déchets, a signalé qu'en février-mars 2016, puisque dans le cadre d'Intègre, on a des ateliers tous les ans sur chaque territoire. L'année prochaine, ça sera à Wallis. Et ça sera la thématique, ça sera la gestion des déchets. Les déchets. Voilà, tout à fait. Donc cette année, vous allez vous y préparer alors pour cet atelier. On est déjà en train de préparer l'atelier, oui, tout à fait. Eh bien, on vous souhaite bon courage. De toute façon, on vous reverra prochainement, hein, pour, toujours pour le projet Intègre et la gestion des déchets. Merci Julie, merci Noël. Ce fait la veille consacré à la gestion des déchets se termine. Dans les prochaines semaines, nous nous retrouverons à nouveau pour parler de l'environnement et cette fois sur la sensibilisation auprès des établissements scolaires avec l'école pilote de ce projet, l'école primaire de Licou. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On vous donne rendez-vous donc samedi prochain. Très bonne soirée sur Wallis et Futuna Première.